Et salut à tous, c'est Dumpé, j'espère que vous allez bien. Alors oui, aujourd'hui vous me retrouvez avec un casque sur la tête parce que le produit que nous allons découvrir ensemble aujourd'hui, c'est celui-ci. Un clavier de gaming à une main, le G92. Alors, il n'y a pas de marque, en tout cas, pas à ma connaissance. Et c'est un clavier à une main que j'ai payé moins de 15 euros. 14 euros et 31 centimes pour être précis. Ce clavier à une main est un clavier mécanique rétroéclairé. Alors, vous le voyez, c'est un clavier QWERTY, mais je l'ai déballé juste avant et comme ça j'ai pu changer toutes les touches. Vu que c'est un clavier mécanique, on peut changer les touches de ce clavier. Et donc j'ai tout remodifié pour que ça nous fasse un petit clavier AZERTY, évidemment. On va donc voir ensemble ce qu'il vaut. On va faire une petite partie de Back 4 Blood, qui est un jeu quand même nerveux, avec ce clavier et je vais pouvoir vous dire ce que j'en pense. Parce que bon, j'ai changé les touches, mais je ne l'ai pas testé. Donc on va voir ça ensemble. Si ça se trouve, je vais pas réussir à jouer. Et si ça se trouve, ça va être vachement bien. Je crois que j'ai un poil de la Chine qui est juste là, oui. Hop là, c'est mieux. Ça me chatouillait pendant que je parlais, c'était pas très agréable. Donc nous allons voir ensemble si ça vaut le coup ou pas. Déjà, pourquoi est-ce que j'ai voulu m'acheter un clavier à une main? Ben vous le saurez pas tout de suite. En fait, j'ai voulu acheter un clavier à une main pour une raison particulière que je ne peux pas encore vous dévoiler parce que ce sera l'objet d'une prochaine vidéo mais qui arrivera en théorie deuxième trimestre 2022. Donc bon, y a le time. Mais j'avais voulu l'acheter avant, comme ça me permet d'étaler un peu les paiements et de voir ce que ça vaut, parce que si jamais c'est nul, forcément j'allais pas le garder. On a la photo du produit, on a un petit repose-poignet qui va nous permettre de pas trop nous fatiguer au niveau du poignet, ce qui est plutôt pas mal. Quand on n'a pas forcément la place d'avoir un clavier physique et qu'on veut quand même avoir un clavier de jeu, ça peut être une bonne solution. Il y a aussi, pour pouvoir le transporter, ça peut être pas mal. Si jamais vous avez prévu d'aller geeker chez un pote, vous prenez ça, c'est bon, ça prend pas trop de place dans un sac ou dans une sacoche, vous pouvez le prendre. Et globalement, c'est à peu près tout ce que je vois comme utilisation. Je vous laisse me marquer en commentaire si vous voyez d'autres utilisations possibles, parce que moi, à part le fait de pouvoir se déplacer avec et de pas avoir la place pour pouvoir utiliser un véritable clavier, je vois pas trop l'intérêt de ce truc-là. Dites-le moi en commentaire. C'est écrit en chinois, donc je ne vais pas pouvoir vous le lire. Évidemment, Radium Carving, High Transmittance, High Recognition. Donc on a des macros qui sont directement mises sur ce clavier pour pouvoir contrôler la lumière. Ils nous disent que c'est RGB, on verra. D'après ce que j'ai vu sur internet, ça ne l'est pas. C'est juste que ça switch entre plusieurs couleurs, mais c'est absolument pas RGB. Ergonomic Hand, ok, donc ça c'est bon. Et ok, bon allez, hop, on va l'ouvrir parce que de toute façon, il n'y a que ça qui nous intéresse. Nous avons une notice qui est en anglais et en chinois, donc déjà en anglais c'est pas mal, on a déjà eu des produits tout en chinois, c'est un peu chiant, et qui nous parle du coup des macros et des fonctions, the F1, F2 key, comme vous dites macro, to recording, ok. C'est tout en plastique, en même temps, avec un prix inférieur à 15 euros, on peut pas s'attendre à des merveilles non plus. J'aurais aimé que ce soit un câble tressé par contre, et pas simplement un câble en plastique de... qui a l'air de mauvaise qualité. Hein. Je sais pas combien de temps ça va durer ça, mais ça a pas l'air extraordinaire. 4 petits coussinets antidérapants, qui antidérapent bien. Et on a donc notre clavier qui a l'air déjà plutôt agréable vu comme ça. On peut effectivement reposer son poignet dessus, enfin même tout l'avant de sa main, ce qui est assez agréable en vrai. La courbure du repose-main est plutôt bien faite. À mon sens. Après, bon, je ne l'ai pas utilisé sur de longues sessions. Hein. Mais bon, on va voir déjà sur une partie ce que ça donne. Branchons-le. Il est branché et il s'éclaire. Voilà, donc là, on a une petite vague. Pourquoi pas, c'est mignon. Donc ça, ce sont deux macros, donc deux fonctions que l'on va pouvoir programmer tout seul. Tout le reste, ce ne sera pas possible, mais ces deux fonctions-là, oui, on peut les programmer. Pour contrôler la lumière, sinon, ça se passe avec les trois boutons qui sont là. Donc fonction F3. Donc là, on change la couleur, tout simplement. Et on sélectionne celle qui nous plaît. On a le choix avec F4 de faire une petite roue de couleurs. On en a deux, donc celle-ci, soit celle-ci qui est un peu plus fractale en fait. Moi, je préfère ça. Et on a celle-là, il me semble, qui permet d'éteindre tout simplement le rétroéclairage pour ceux qui ne le souhaitent pas. Et c'est parti pour geeker un petit peu. Avant de voir ce que ce clavier donne en jeu, eh bien, je vous invite à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos, d'autant plus que, juste ici, vous le voyez, il y a tout ce qu'il faut pour le calendrier de l'Avent qui arrive à partir du 1er décembre, donc n'hésitez plus, c'est bientôt, donc abonnez-vous, lâchez un petit like aussi, parce que ça fait toujours plaisir, ça fait toujours du bien, un petit like. Et on se retrouvera du coup pour ce magnifique calendrier de l'Avent. C'est parti pour voir ce que donne ce clavier en jeu.
Alors, je l'essaye debout. Il faut savoir qu'en général, je suis assis quand même quand je joue. Mais ça ne devrait pas trop poser de problème. Hein. Je reste bon assis ou debout. Je vous invite d'ailleurs à me suivre sur Twitch, TomPelleGaming, si le cœur vous en dit. On s'amuse bien, on fait pas mal de petits jeux. Ou de gros jeux, d'ailleurs, ça dépend. On joue en groupe, je joue tout seul, on se fait peur. C'est très sympa. Merde. J'ai failli les voir. Il est très agréable, je peux faire tout ce que je veux avec. Alors effectivement, c'est peut-être un peu petit. Mais je pense que c'est parce que j'ai l'habitude de mon ancien clavier. Pas de mon ancien clavier, de mon clavier tout court d'ailleurs. Bah écoutez, en jeu, je suis plutôt satisfait, bien qu'il soit un petit peu petit par rapport à mon clavier habituel. Je le trouve franchement très bon, je vais pouvoir poser le casque, hein, parce que bon, c'est vrai que maintenant on ne joue plus. Bah écoutez, je le trouve franchement très bon, ce petit clavier. Je sais pas ce que vous en dites, moi j'aime bien, déjà je le trouve sympa, visuellement, il y a quelque chose. Il est très réactif, j'ai pas ressenti de lag particulièrement sur ce jeu, pourtant qui est un jeu quand même assez nerveux. Donc franchement, je suis assez content de ce clavier. On a toutes les touches qu'il faut, il n'y en a pas plus, pas moins. Les touches sont très faciles à changer. Pour ceci, il suffit de s'équiper d'un couteau ou d'un petit tournevis, etc. On le met juste entre une lettre, hop, on le retire, et voilà, c'est bon. Après, pour le mettre, rien de plus simple, on prend la lettre, et on la renfile, et nickel, on la renfile. On appuie dessus, et c'est bon. Mais écoutez, c'était le petit test. Si jamais vous n'avez pas beaucoup de budget, ou si jamais vous avez envie d'avoir un clavier physique, possiblement transportable, eh bien n'hésitez plus, tous les liens sont en description. Et nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Et c'était Tom P. A plus. Bye.